Monsieur Stern, pouvez-vous nous faire une petite présentation du livre que vous avez donc écrit, qui s'appelle « Mes présidents » ? Déjà 10 ans, n'est-ce pas ? Je l'avais écrit en 2005, et j'avais fait, sur les 5 présidents avec lesquels j'avais travaillé, j'avais fait 2 chapitres. Leur portrait et ce qu'ils avaient apporté d'essentiel à mes yeux à la Ve République. Et j'avais prédit que le 6e, c'était 2 ans avant, serait Nicolas Sarkozy. Mon éditeur m'avait dit, mais non, parler de ce que des présidents que vous avez, avec lesquels vous avez travaillé, pourquoi lui Et je lui avais dit, si vous ne l'insérez pas, je change d'éditeur. Il m'avait dit, bon, alors allez-y. Et on l'avait fait. Donc, il y a sur chaque président 2 chapitres. Et sur Sarkozy, évidemment, il n'y en a qu'un qui était son portrait à l'époque, puisqu'il n'était pas encore président. Je ne pouvais pas dire ce qu'il avait apporté d'essentiel à la Ve République. Il faudrait que j'écrive un ouvrage sur lui. En tout cas, je vous en offre. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Nous pouvons apercevoir derrière vous un certain nombre de cadres dans lesquels vous figurez, avec des personnalités assez importantes. Pouvez-vous nous faire une petite présentation de ces cadres ? Là, j'ai des photos, en effet, avec... les chefs d'État, avec la Chirac, De Gaulle, une autre photo avec le général, Giscard d'Estaing, Sarkozy, et le gouvernement de Pompidou, où j'étais chargé des relations avec le Parlement et porte-parole, et où il y a 2 futurs présidents, Chirac et Giscard, dans ce gouvernement. Cette petite carte que j'aperçois ici, c'est un petit carte, clin d'œil suite à l'histoire que vous avez envoyée, que m'avait envoyé Obama pour me souhaiter ses vœux. On voit Sarkozy qui lui a raconté comment j'avais connu le pasteur Martin Luther King et qui lui demande « Barack, qu'est-ce qu'elle est ton souhait ?» Et il dit « Une bonne année, Olivier Stern. » Donc évidemment, j'ai gardé cette carte précieusement. Comme un souvenir. Là, c'est ici, on voit que j'ai connu Sarkozy quand il avait 21 ans. J'étais à ce moment-là ministre de l'Outre-mer, il était jeune président des jeunes de l'UDR à l'époque, et je l'avais reçu dans le Calvados, et ça c'est l'article d'Ouest-France, le journal local, qui raconte cette rencontre. Donc vous voyez que je le connais depuis 40 ans. Relation de longue date, alors. Monsieur Stern, merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie.